7h30, une cinquantaine de gendarmes débarquent dans la cité. Leur mission, expulser les derniers migrants de la tour H. Il reste une cinquantaine de personnes qui ne veulent pas quitter les lieux. Fausse alerte, ils attendent le feu vert du préfet. Au troisième étage, ces cinq amis de fortune vivent depuis 6 mois dans ce F4. L'expulsion, Jerry n'y croit pas. Où vous voulez que j'aille? C'est parce que je suis somalien? Ok, pas de problème, merci. Dans le salon, les nerfs craquent. Je te jure, je vais sauter par la fenêtre. David, menacé de mort au Nigeria, n'a plus rien à perdre. Où je vais aller? Je n'ai pas de famille, rien. Je ne vais pas encore errer dans la rue, dans la galère, dans le froid. 8 heures, les gendarmes procèdent à l'évacuation, dans le calme. Jerry, la boule au ventre, craint maintenant de replonger dans l'errance. Je suis vraiment très triste. En plus, je souffre d'asthme. Les problèmes continuent. Je suis perdu, vraiment perdu. 8h30, il ne reste plus personne dans la tour H. Les derniers migrants évacués ont été accueillis dans un gymnase du 15e arrondissement de Marseille.